Bonjour, cher papois. Bonjour, monsieur le président. Et cher papois, chère papoise, vous le savez, tous les jeudis, par humilité, le président accorde des audiences à des célébrités. Aujourd'hui, nous rendons visite à un artiste qui a fait parler de lui dans la sphère musicale tradie moderne. Il s'agit de Zirignon Hervé Valéry, a.k.a. Dodo La Terre. Oui, c'est un nom bien connu, Dodo La Terre. Vous savez, la musique traditionnelle a mis en valeur, n'est-ce pas, le patrimoine culturel. Il est important de rendre hommage à ces artistes tradie modernes. Aujourd'hui, nous avons eu vent de l'état de santé de Dodo La Terre. Bon, on va lui rendre visite, parler et puis s'enquérir de son état de santé. Venez avec nous. Nous sommes chez monsieur Zirignon Hervé Valéry, a.k.a. Dodo La Terre. Soyez salués. Je vous salue avec beaucoup de respect. Soyez salués, messieurs et dames. Cher papois, vous allez bien? D'accord. Cher papois, nous sommes au domicile de Dodo La Terre. Vous l'apercevez à côté de moi, son épouse. Donc, nous sommes venus parler avec lui et puis prendre de ses nouvelles parce que c'est important. Les artistes, c'est les ambassadeurs de la culture. Dodo La Terre, comment tu te sens? Par la grâce de Dieu, ça va. Depuis combien de temps tu es malade? Oh. Moi, il y a un peu longtemps, mais je ne sais pas, je ne connais pas les dates de quelle date que la maladie m'a pris. Mais je suis malade il y a un peu longtemps. Est-ce que la scène te manque? Ah, mon frère, j'ai dit, la scène là, je n'ai pas d'autre métier que ça. Donc ça me manque très fort. Parce que c'est le seul métier que j'ai. Je ne connais pas papier. C'est la chanson que je connais. Donc, ça me manque tellement. Alors, dans cette période difficile, tu es aidé par ton épouse, Madame Dodo, qui est à tes côtés. Alors, Madame Dodo, oui. Je suppose que ça n'a pas été facile depuis les débuts. Mm-hmm. Merci déjà pour notre papa. Alors, comment ça a commencé? Bon, merci beaucoup, Mounoukoukou. Depuis le 27 novembre 21, il allait faire son travail comme d'habitude. C'est un artiste. Donc il allait prester à Guingwa, précisément à Kmapekou. Il allait un jeudi le 26. Et comme ça, le 27, il a piqué la crise de l'AVC. Et ils l'ont ramené sur Abidjan le 28 samedi. Donc ça fait pratiquement un an, je crois 3 mois ou 4 mois que ça ne va pas chez lui. Il est malade. Vraiment, c'est très dur. Mais par la grâce de Dieu, l'aide de ses amis, vraiment, nous sommes là. Et Dieu fait grâce, c'est lui que vous voyez. Est-ce que le Burida est au courant de cette situation? Est-ce que le Burida a réagi ou le ministère de la Culture a réagi? Oui, le Burida a agi, le ministère de la Culture aussi a agi. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Alors, comment toi, en tant que mère de famille, tu gères tout ça? Parce que c'est pas facile, après, tout te retombe dessus. Comment tu gères avec les enfants? Comment tu gères cette... Oui, c'est ça, vraiment, c'est très très difficile parce que nous avons des dons, les enfants. Parce que lui qui allait chercher, il ne fait plus ça. Donc nous vivons des dons, donc c'est très très difficile. Est-ce que tu as envie de passer un message aux autorités? Vraiment, je parle aux gens de bonne volonté qu'ils viennent, ils nous viennent en aide. Parce que vraiment c'est dur. Je veux la guérison de mon mari. Que mon mari soit en bonne santé, c'est lui qui va chercher pour nous. Mais il est comme ça, vraiment ça fait mal. Donc vraiment, je demande de l'aide. Aidez-moi, aidez mon mari, pour qu'il puisse avoir la guérison, qu'il fasse ton métier que Dieu lui a donné. On va arracher un dernier mot à Dodo La Terre. Est-ce que tu as un mot à dire à tes fans? Je vous dis merci. Toutes les bonnes volontés qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider et qui tous ceux qui font de sorte que je puisse guérir, je leur dis merci. Que Dieu les bénisse, qu'il leur donne beaucoup de santé. Ben voilà, nous aussi, on te dit merci d'avoir accepté de nous recevoir. Que Dieu te restaure. Merci aussi à madame. Alors, au nom du directeur général de NCI, et à travers Showbuzz, je vous remets cette petite enveloppe. C'est pas des millions, c'est juste vous soutenir. Donc, voilà, je vous remets ça. Et... Non, je dois remettre à qui? Au vieux, mais... Non, je remets ça au vieux. Voilà, le vieux. Voilà. Voilà. Cher papois, c'est terminé les audiences du président. On se donne rendez-vous sur le plateau. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et Showbuzz, votre émission préférée. On est ensemble. Peace!